Allez les kikis, c'est parti, on va se faire un 1 contre 1, on va tomber contre Nanolf sur traversée de la forêt. J'ai pris le russe, il a pris l'Obeka. Donc chez la Isgi Company on dit Obeka, mais normalement on dit OKW. Allez c'est parti, on va faire On le lance le chantier. T2, section de recrue, on commence par le nord. J'hésite entre les commandants. Il me faudrait troupes de choc, je pense. Là, j'ai PPSH, c'est équivalent. La mortier était On a d'autres 34-85. recrues à notre Ah, disposition. merde, j'ai pris Une attaque lequel? critique. Je me suis trompé. Je Va me suis faire fumer. trompé. Je voulais prendre les troupes de choc. J'ai Au nord. pris. Ah, HM38, T34. Il faut construire quelque chose. Bon, tant Capturons pis, c'est Bourg. fait, on verra. Donc là, je vais avoir des fusillés de la garde, on verra ce que je peux en Magnifique. faire. Ah, quel dégoût! Ah merde, en plus, c'est vrai que En avant, contre camarades. les OBK, les troupes de choc, ça répond bien. Mais là, avec les fusillés de la Faut qu'on garde marque pour le et les peuple recrues, je sais pas, on soviétique. va voir ce que Le ça donne, secteur mais est à nous, là, camarades. je suis En pas route. confiant. On est en route. Allez, on va aller essayer d'investir le côté gauche. On attend vos ordres. On va Allez, on rejoindre va se cacher derrière l'objectif. les objets tout le temps. On va occuper le territoire. De nouvelles recrues sont là. Allez, on chope les On est nouvelles en marche. recrues, on va les envoyer près des autres. Vos ordres, camarades. On est en route. Allez, on va avancer doucement. Il faut construire quelque Les chose. soldats du génie ont sécurisé le secteur. Destination confirmée. Allez, on va cliquer sur la map, la Fusiliers, minimap pour les faire camarades, avancer. il faut s'emparer de cet endroit. Hop là, hop là, on va Tirailleurs essayer de soviétiques, sortir quoi. on rejoint la destination. Allez, on va essayer de frôler le côté gauche Parfait. là. On lève le T'as camp. regardé quand même, depuis qu'ils ont allégé un peu la gourmandise de Unis, on la relance graphique, Sakhar. Tournons. c'est vrai que regardez là, on voit le décor est Vérifiez plus votre joli. Encore, moi matériel je peux et pas revenez. mettre à fond parce que j'ai pas le PC qui, la carte graphique qui va bien encore. Bon, j'ai de quoi jouer tranquillement, mais il y a Allons-y, pire que camarades. moi. On va prendre l'objectif. Da, camarades. Allez, on En va prendre les marche. 3 points le plus vite possible, Les manière de lui soldats mettre la sont prêts. pression. Allez, la Unité de mitraillette. mitrailleuses lourdes prête. On va se la mettre peut-être au pont du milieu parce que j'ai pas pu y aller. Préparez-vous aux roses. On va voir. Il va pas En tarder, on va pas position. tarder à se rencontrer là, je Ennemi est pense. en équilibre. Ah non, il est On parti de va l'autre prendre côté. Alors là, sur l'objectif. le côté droit de la minimap, on voit qu'il a pris. Il veut le point de carbu de l'autre Section côté. mitrailleuse lourde prête. Bon, je vais L'armée peut-être être rouge est réveillée. tranquille. On bouge. Ah non, il vient aussi, il vient de ce Avançons. côté. Il veut les deux L'armée carbus rouge en est fait. prête. Fusillez plus vite. Oh là 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 là, qu'est-ce que je Les ramasse? ennemis Qu'est-ce que je dépérissent. ramasse? Je dois me casser déjà. Territoire est à nous. À votre Brouillez-vous. Alors, si j'arrive à me cacher un peu, non, Alerte c'est même pas la peine ennemie. là, je vais perdre mon unité. L'ennemi a pris notre poste de Allez, je vais ravitaillement. essayer de lui faire peur avec le nombre, je vais amener les génies, on sait jamais. Veuillez, camarades. La mitraillette arrive, il n'y a que la mitraillette qui va me On sauver. bouge. Bon, je vais laisser tomber, je vais remonter le temps que la mitraillette s'installe, je l'ai retardé un Notre petit position peu. appuyée est Allez, je vais me imbattable. casser. Allez, les génies, pareil, on va la tirer là-haut le temps que la mitrailleuse arrive. On va sortir une deuxième mitraillette parce que là, voilà. Section mitrailleuse, déployez-vous. Normalement, ils ont été nerfés Les tours qu'il faut construire ont les décollé. OKW, mais moi je dirais plutôt qu'ils Ils sont vont plutôt tirer en sur les route. nerfs, ils sont toujours aussi dangereux. On bâtira à cette structure. On attend vos ordres. Un secteur est en danger. Donc là, il préfère récupérer le Quels sont secteur. les Donc pour l'instant, besoins? il m'a pas embêté. On va cacher la mitraillette On sur le déplace côté les gauche mitrailleuses. là-bas, qui sont protégés un Unité peu. de mitrailleuses en attente Je d'ordre. vais en charger mes équipes, mais elles sont Fusiliers amochées déployés déjà. sur le Ça flanc. commence mal déjà. Groupe reconstitué. On va Déplacement. mettre une mitraillette sur le côté droit là, la deuxième. Allez, je vais EP J'appuie le sur la maximum commande pour lui éviter silence. Le terrain de carburant appartient au peuple maintenant. m'avoir. Je vais passer en lance-flammes. Déplacement. On bouge d'ici. Allez, on va essayer de péder encore des points. Il n'y a que Il ça qui peut me faut attendre sauver. les fins prêtes. Il n'y a pas de... En avant. Marche. Ça sera bientôt à nous. Les lance-flammes sont là. J'adore jouer avec Besoin le des feu. soldats du génie? On a pris le contrôle Allez. devant. On se Pour déplace. l'instant, il est passif, il va pas tarder, à Prêt. mon avis. Hop là. Ordre de déplacement reçu. Allez, On on est va envoyer parti. discrètement sur le côté droit, voir ce qu'il a, il peut pas être Mitrailleuse partout. prête. La position m'a l'air pas mal. Oh là là, ils arrivent. Contact. Stop, 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 Attention. restez où vous À êtes. eux. Remuez-vous, feignasse. Ah, Kübelwagen Ils se en trouvent. vue, c'est obligé. Il faut détruire quelque chose. On est Allez, on va EP suivis. encore.
Ouais, ma mitraillette le fait fuir s'il a peur de charger. Ouh, il charge. Marche. Il va falloir qu'il nous chatte. On exécute les ordres. On attend vos ordres. Ils attaquent notre poste de ravitaillement. Ah, il prend l'autre. Allez, putain. On se déplace. Il prend le milieu. Lève le camp. Ah merde, j'ai mal kické. On y va. Allez, finissez ça. Putain, putain, mais c'est quoi le problème? Ah, ça cause des arbres. Ah. Allez, c'est bon. En plus, il y avait Ismaël qui m'a fait la remarque quoi, de faire les groupes contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, etc. Mais j'arrive pas trop, donc c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette parce que là, des fois, je galère. Il avait bien raison. Putain, c'est stampionnier, ça fait mal. Allez. Allez, on va sortir une autre équipe. Peut-être trop d'équipes là. Donc là, j'ai mis mes recrues dans la maison. Ça a l'air d'être mieux protégé. Des... De toute façon, là, il se tient à distance. Mais normalement, c'est au corps à corps que les stampionnés sont les plus forts. Donc pour l'instant, c'est lui qui ramasse. On repositionne la mitraille. Les mortiers de 120 peuvent être déployés. Allez. Les sections de fusiliers de la garde sont disponibles. On va s'en emparer. Oh, la maison, elle est pas solide, la maison. Allez, on va se mettre une petite minace ici. S'il essaie de passer par là une deuxième fois, ça va le calmer. Vérifiez votre matériel, on y va. La mitraillette à droite, ça m'a pas l'air de servir à grand chose. Peut-être qu'il faudrait que je la micro-gère un petit peu plus. On déplace la mitrailleuse. Mine placée. On attend maintenant. On bouge. Allez, on va essayer de récupérer l'étoile quand même. C'est pas tout. Déplacement. Ouais, allez, je vais activer les grenades anti-char pour sa cubelle. Allez, allez, allez. Il aime pas la mitraillette, hein. C'est... Alors, s'il a beaucoup peur de ma mitrailleuse, c'est peut-être que c'est super fragile face à une mitraillette. Les grenades anti-chars sont disponibles pour toutes les recrues. Bon travail, camarade. Allez, on va faire la pharmacie aussi, parce que mes équipes elles sont amochées, j'arrive pas à les soigner à mort. Jusqu'à la moitié, ça va. On va les récupérer du secteur. Allez, on va se mettre la mitrailleuse dans la maison de gauche, ça va certainement agrandir la vue. On va se mettre une minace ici s'il essaie de repasser avec la cubelle, parce qu'il a, ça fait deux fois qu'il passe par là. À mon avis, il est en train de la soigner déjà. Le QG soviétique comprend maintenant un hôpital de campagne. Allez, on va récupérer. Ceux qui sont grièvement blessés. Allez, 7 minutes et quelques, donc là, attention. Ouh là là, il revient. Oh oh, il revient pas seul. Là, c'est la merde. Les génies, cassez-vous. Ouais, je l'ai paralysé. Allez, l'autre, je me casse. Allez, je vais essayer d'achever la Kubelwagen. Ah, il a le Puma. Bon, le Puma, normalement, ça va. Quoique la mitraillette, elle a l'air plus efficace que quand j'avais essayé du Puma. Allez, on va déjà défoncer la Kubel. Oui, lancer de baseball. Bim. Il va se prendre la mine, il va se prendre la mine. Suis-moi, suis-moi. Oui, c'est bon. Allez, ça me laisse le temps d'enlever ma mitraillette. Allez, cassez-vous. Allez, on peut tout enlever, c'est plus la peine. Putain, c'est la merde. J'ai pas assez d'argent pour le canon anti-char. Allez, on se casse, on se casse. Oui, il a perdu la Kubel. Il a moché, là, il est obligé de faire... Allez, ça tombe bien, il y a la pharmacie qui est tombée. Vos ordres, camarades. La mitrailleuse qui s'en va. On va là-bas. Section de mitrailleuse. Allez, on envoie tout au milieu, je cherche pas à comprendre le côté droit, ça a l'air mort. On y va. Pardon. T'as contre le Puma, j'ai envie d'essayer le fusilier de la garde, mais... Putain, j'entends le véhicule. Eh hey, mais c'est le véhicule de... C'est pas le Puma ça, ce bruit. Ce bruit, c'est un véhicule des camions de... Faut voir. On dirait que c'est les camions des OBK, non? Allez, allez, on va le reparalyser. Ah non, c'est bien le Puma. Allez, on l'a reparalysé, ça c'est pas mal. Allez, on se casse. Ah, elle est puissante quand même, la mitraillette. A mon avis, elle tire plus qu'avant, puisque moi, j'en avais eu, dans une partie, j'en avais eu 3 de Puma. Et contre l'infanterie, elle tirait pas autant, la mitraillette. Donc, je sais pas, dites-moi si ça a changé ou si c'est moi qui ai eu pas de chance ce jour-là. Donc là, je suis un peu dans la merde. Ouais, un peu beaucoup.
Donc niveau carbu, ça va. Faut juste que j'arrive à fabriquer le bâtiment. Le prochain, il faudra que je fabrique un canon anti-char. Allez, on va leur jeter une grenade dans le tas. On va envoyer les deux troupes. Ah, ça n'a presque rien fait. Il a perdu la moitié de l'énergie, la section de Storm. Mais après, allez, faut qu'il ait peur que je le... Oh, c'était joli ça dans l'eau, regardez. Joli. Putain, ils sont énervés. Allez, fabrique-moi ce bâtiment là. On va lui faire un SU-85 à l'ancienne. Allez, on va passer par l'autre côté. Hein. Quand un côté est bloqué, passons par l'autre. À mon avis, ça pue la merde. On va mettre la mitraillette là. Ouais, c'est pas mal. Allez, allez, rechargez-vous, les amis. Rechargez-vous. Faut que je fasse un canon anti-char, sinon je vais avoir des problèmes. Pour l'instant, en fait, son puma, j'arrive juste à le... Ouais, à le paralyser, quoi. À le paralyser pour le gêner, donc il avance pas, parce qu'il a pas envie de rester bloqué dans une impasse. Mais sinon, je suis dans la merde, en fait, s'il avance. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Ah, il a sorti l'équipe ouais, pour tirer à... Allez, on va laisser prendre du secteur, on va laisser voir à droite ce qui se passe aussi. D'accord, donc là c'est pas la peine, Kubel et tout. Voilà, donc là il va m'attendre côté droit, mais on va laisser l'affaire, on va aller carrément récupérer le milieu. Putain, je fais quoi là, canon anti-char ou deuxième section de... Troupe de la garde prête à agir. Troupe de la garde. Changement de position. On va s'en emparer pour la mère patrie. Va agrandir la mère patrie. Si vous le voulez. Fusilier de la garde ou pas? Oh, mais regardez, comme... Moi je me casse, c'est pas la peine. Allez, c'est parfait ça. Allez, on va les envoyer au milieu. Ici je récupère le point, je vais essayer de le couper devant chez lui. Déjà, c'est pas mal. Comme ça, il sera pas relié. Malgré qu'il a le carburant à gauche. Allez, il m'a sorti ça maintenant. Allez, putain. Là, comme ça, à distance, il me nique bien. Allez, on va essayer de lui envoyer une grenade participation. Allez, là, ici. Les sections de fusiliers de la garde sont disponibles. Ah, il s'arrêtait. Là. Putain, il s'arrêtait avant. Allez, on va aller de ce côté. Allez, on va foncer dans le tas. Oh là 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 là. Alors les fusils de la garde, ça a l'air d'aller finalement. Ouh, qu'est-ce qu'on ramasse? Qu'est-ce qu'on ramasse? Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Ouh là là, je vais les perdre, il reste un millimètre. Non, 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 ça coûte cher ça. Ah, j'ai passé. Ouh là aussi, je ramasse. Oh le mec, ah, oh, je l'ai perdu sur le chemin, mon arme. Putain, merde. Mon truc anti-char, je l'ai perdu. Allez, on va sortir un canon anti-char, ça va être vite réglé. Ah, il traverse, il traverse. Ouais, il tombe sur le train. Putain, ça c'est super pratique, ces équipes. Ouais, de loin ils tirent bien. Ah, ça va, heureusement que j'ai la mitraillette. Pour l'instant, la chance que j'ai, c'est que mes mitrailleuses lui vraiment lui cassent les couilles. Ce PTRS fait son poids, camarade. Vérifiez votre matériel. Ah, il s'enfuit. Les remplaçants sont arrivés. Allez, canon anti-char, il va être bientôt fini. Ouais, il est fatigué, on va essayer de lui baiser son puma. Je pense qu'il vient de le voir, que je vais lui envoyer la grenade. Ah putain. Allez, détruisez-le. Coup de lance-flamme, ce que vous voulez. Ah, c'est mort. Allez, c'est peut-être lui faire peur, le feu. Allez, allez. Envoie-lui la grenade, il va mourir, il va mourir. D'ailleurs, il est sorti un commandant russe spécial anti-char, on va dire. Ouais, incontrôlable, à la main. Oui, mon bon ami, il est pas mort. Et je l'ai pas testé, ouais, donc. C'est triple grenade contre les tanks et tout. Là, j'ai vu une vidéo sur Steam là, qui présente le commandant. Après, j'ai vu une vidéo sur COH2.org. Et le gars l'utilisait bien quoi, contre un panthère, je crois qu'il le ruine avec de l'infanterie, ils arrivent à le ruiner. Donc ça a l'air pas mal, je vais voir. Bon là il est un peu cher, parce que je crois qu'il fait 4 euros.
4 ou 5 euros quoi, mais donc c'est un peu cher. Mais quand il y aura les promos là, à 70% là, de temps en temps ils font ça. Quand elle sera 2 euros et quelques, 3 euros, je l'achèterai là, mais là c'est un peu abusé quand même. Donc ouais. Parce que ça peut être sympa avec l'infanterie, ça veut dire que c'est comme si les Russes ils avaient des bazookas en fait, mais en fait ils ont des grenades anti-chars un peu différentes. Donc ça peut le faire ouais. En plus il y a un bombardement sur les tanks, je crois qu'il a l'air puissant. Cette option là, moi je connais pas trop, donc s'il y en a qui l'ont réussi à le gagner, à le looter. Oui, il a perdu une section. Allez, arrête de tirer là-bas, toi. Oh, il a sorti le looch, looky looch. Allez, on va le ruiner, je pense. Je suis curieux de voir les fusiliers de la garde s'ils arrivent à le défoncer, ce truc. Il est où? Il est où? Bon, lui, être. Ouais, il a pris le canon de char. Bon, lui, on va prendre les fusillés de la garde. Allez, tourne-moi le canon. Il va essayer de me flanquer par derrière, là, c'est obligé. Ah, c'est obligé, il va faire le tour. Il a vu qu'il y a tout ce qu'il y a. Allez, on va l'attendre. Fusillé de la garde, mon pote. Allez, faites le taf, là. Allez, petite grenade anti-char sur la route. Allez, là, t'as pris le max. Ah ouais, tu t'attendais pas à ça. Allez, on va redresser le canon anti-char, là ça va le ruiner, on va l'achever, il va mourir, allez, un petit coup de canon. Oui, même pas besoin du coup de canon. Eh, fusil de la garde contre ces tanks là, ça vaut le coup. Imaginez, vous avez 4 ou 5. Oh, le bruit que ça fait. On aurait dit le démarrage d'un feu d'artifice. Oh, le bruit que ça fait. C'est impeccable ça, c'est impeccable. Il a perdu 3 véhicules, et j'en ai même pas fait un encore. Attends que mon SU sorte, mon pote. Ah, les fusillés sont quand même résistants parce que mes recrues ils prennent cher. Ah ouais, mais là c'est Blob Family là. Il y en a marre de ça, des gens qui cherchent pas. Ah, moi j'ai place une mitraillette, j'essaie de réfléchir là. Il y en a marre de ça, regardez. Oh là 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 là. Bon, là je prends. Je peux pas trop m'avancer, je prends juste. En fait, si vous voulez, là je prends juste l'étoile pour l'obliger, là je me casse. Pour l'obliger à venir lui et qu'il monte sur mes. Qu'il tombe sur mes mitrailleuses quoi. Comme ça quand il vient le chercher, c'est lui qui ramasse. Et dès qu'il sera dans le. Pris sous le feu des mitrailleuses, là j'irai lui casser les couilles avec des. À coups de canon anti-char. Des barrages d'artillerie avec le canon anti-char, à coups de grenade des fusillés, etc. etc. Là, je vais l'obliger à venir. Ah, j'ai tâte entre un mortier. Non, laisse tomber. On va déjà agrandir la vue pour voir ce qui se passe. Disons qu'un mortier contre un blob comme ça, ça va tuer deux mecs à chaque fois, ça va pas faire grand chose. Par contre là je peux pas parce que je suis en retard dans les véhicules, mais c'est vrai que les fusillés là équipés avec les. Parce que d'origine ils ont les PTRS. Donc contre des armes anti-char. Les fusils anti-char, et après ils ont aussi les autres armes là, je me rappelle plus le nom, mais qui sont efficaces contre l'infanterie. Donc ça peut être peut-être contre les blobs, je sais pas, j'ai jamais essayé encore. Peut-être que c'est pratique quoi. Allez, on va essayer de péter ça, les petits coups de canon anti-char, on va te la niquer l'infanterie. Allez, là, alors là, il faut niquer cette infirmerie là. Il n'y a pas moyen, même si je perds, il faut que je défonce cette infirmerie. Pourquoi je fais ça? Allez, s'approche. Oh là 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 là. Allez, le catchouche. Je sais pas s'il retourne. Ah, il était pas loin, il était. Putain, j'ai mal visé quoi. Oh, la belle grenade. Paf! Ah ouais. Elles sont pas mal les grenades. Ah, dans la panique, j'ai fait un appel. Bref. Oh merde, ça sent mauvais. Putain, merde. Barrage de Stuka.
Oh là là, mon SU il a rien, de la chance. Canon Tichard il est mort, il faut que je le récupère. Allez, on va sortir une équipe, on va se le récupérer. Il faut qu'on l'empêche. En plus j'ai pas vu, ça allait trop vite, j'ai pas vu d'où il tirait. On suppose là où il y a le point blanc dans la map. Allez, on va remonter un peu la mitrailleuse dans la maison. Vas-y, tire, putain. Qu'est-ce qu'il fait à gauche, là? Installez-vous, là, nom de Dieu. Oh, le type, il s'est installé dans la maison, là. Il est en train de faire son repas au caca, là. Vas-y, tire de la fenêtre, putain. Le gars, ça se trouve, il est en train de se doucher, là. Peinard, c'est la guerre dehors, tu vois pas? Allez, Katchouche. J'aimerais bien faire un spam de... Bon, pas dans cette partie parce que... Mais un spam de fusil de la garde, ouais. Ouais, ça peut le faire, ça, je pense. À essayer. Allez, on va essayer de lui défoncer son infirmerie. Ah, il a réparé le cochon. Allez, Katchouche-moi ça là, là. Attends, on va peut-être pas tirer encore. Ah, il le sait que je vais tirer. Il est malin, il avance. Allez, on va essayer de le flanquer par le sud. Oui, c'est bon ça. J'adore les Katchoucha, c'est la meilleure réponse contre les blobs. Pim. Oh oui, là il a pris cher. Allez, on va... Attends, est-ce que j'ai assez de munitions? Attends, casse-toi. Vas-y, achève. Allez, tire dans le tas, on va la péter ta machine. Allez, là on va les remonter. Putain, mais combien ils sont? C'est un truc de fou. Ah putain, là il va me tirer dessus. Il faut qu'on se casse. Il a éclairé, c'est pour me tirer dessus. Oh merde, qu'est-ce qu'il a? Il est en panique. Oh là là, il m'a déraciné l'équipe comme ça. On se casse. Oh, tout ce qu'il avait. Ah, il est là le Stuka. Putain, tout ce qu'il avait encore. Ah, c'est abusé. Avec tout ce que j'ai fracassé. Avec le Katchouche. Regardez tout ce qu'il a encore. Et à côté droit, ça doit être pareil, je suppose. Ah, c'est bon. Ça me dégoûte. Oh putain, il va tirer encore. Le canon anti-char. Allez, on bouge. Ah, il a dû voir que j'avais tout bougé. Du coup, il a tiré qu'un seul coup. Ouais. Ah, il a dû laisser tomber. Ouais. Putain, il faut le défoncer. Allez, défoncer cette pharmacie là, il va se refaire déjà qu'il est je sais pas combien là. Allez, le Katchouche il va pas tarder à tirer. Alors, on recharge tout ça. Ta pharmacie fait du bien. Allez, deuxième Katchouche qui sort. Allez, mon pote, deux Katchouches dans ta gueule. Je t'ai dit, je vais perdre, mais je veux que tu perdes ton infirmerie, ton blob. Il y a que ça qui me plaît. Oui. Allez, le deuxième. Avec le tir de précision cette fois-ci. Allez, mettez-moi une traite. Oh là là, je vais perdre tout. Oh là là. Allez, couché par la mitraillette. Allez, les allumer. Putain, j'ai pas de cocktail. Allez, on va ranger le Katchouche à la base parce qu'il vient le chercher. Oh, ça a abusé. Oh, comment il s'est fait nettoyer. Allez, dans le tas. Pim. Ah oui, pas mal, mais bon, c'est même pas assez, vous voyez, putain. C'est abusé. Ah, il va en péguer mon SU. Ah, ça va, il ramasse quand même, mais bon, putain. Il a quand même des troupes à toutes de moitié. Ah là, c'est abusé. Ah, heureusement qu'il y a une traite dans la maison qui... Ah, enfin, il a fini sa douche, lui. Putain, le mec, il était au chiotte, là, tout à l'heure, quand j'étais dans la merde. Le mec, il tire pas par la fenêtre, sans déconner. Ah, ils m'ont bien crevé, il faut que j'arrive à récupérer le canon Tichard. Il a pas l'air intéressé. Allez, on va lui mettre un coup de Katchoucha dans sa figure. Allez, on va recharger tout ça.
Eh ouais, mais là, à chaque fois que je... Chaque tir est bon, mais... Le problème, c'est qu'il recharge, quoi. Allez, on envoie tout. Moi aussi, je vais faire un blob. C'est facile de faire ça. Allez, dans quelques secondes, je vais pouvoir tirer le deuxième. Allez, tir de précision là-dessus. Alors, j'aime bien le tir un peu aléatoire, on va dire, puisque son infanterie qui est... Allez, on va le défoncer, on va le défoncer. Oui, c'est bon, ça. Allez, on récupère la mitrailleuse. Oh, merde, il va me tirer dessus, là. Ah non, il veut viser mes katushas. C'est les katushas, c'est les katushas. Bien joué, eh ouais. Je pensais qu'il voulait attaquer au milieu, mais non. Ah, ça sent mauvais là, c'est l'heure du tank. 25 minutes, c'est l'heure du gros tank. Oh là, sur quoi il tire? Il y a un truc en bas. Ah bah c'est... Aïe aïe aïe, j'entends le véhicule, ça c'est un panthère. Allez, micro-gestion. Là c'est une mitraillette, vas-y, vas-y. Les canons de char dans ta figure. Allez, grenade anti-char, grenade anti-char. Allez, les fusillés. Allez, est-ce que je vais faire une double micro-gestion comme la dernière fois? Oui, faut pas que je le perde, vas-y, il va perdre. Oh là là, les fusillés, mon gars. Oh, ils l'ont pété. Ah là 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 là. Oui, allez, défoncez-les, défoncez-les. Une grenade, allez, j'ai pas assez d'argent. Allez, la mitraillette à Med. J'arrive pas à m'en sortir. Ah, il est parti, il le sait qu'il a perdu sur ça. Ah, je lui ai défoncé tous ses véhicules, ils sont partis à la casse. Ça nous a fait de la ferraille. Aïe, aïe, aïe. Ah, à droite. Enfin, à droite, il a fait blocus aussi. C'est bête parce que ce qu'il avait à droite, s'il me l'envoie, il me défonce en fait. Ah, ouais. Bon, ça va, ça fait deux duels de... Allez, j'envoie un Katusha parce que j'avais promis de défoncer son blob. Alors même s'il reste deux bonhommes, je vais tirer dessus. Juste pour le plaisir. Voilà. Et ouais, donc ça fait deux duels de SU-85 contre un Panther que je gagne. Allez, double Katusha. Oui, c'est perdu, ça. Il en reste... Bon, après, il joue plus, là. Mais... Oui, c'est bon, ça... Oui, dans la... en plein dedans, bim! Oh, là aussi, parfait! Ah, ça serait par vite par contre avec cette option. Donc voilà, je sais pas, hein, j'ai merdé dans le choix du commandant au démarrage. Mais franchement, ça m'a rendu service, on va dire. Donc, fusil de la garde, seul à seul. Je le referai peut-être pas, mais en duo, un qui prend les troupes de choc et un qui prend ça, ça peut le faire. On l'a vu pratique contre la plupart des véhicules, donc voilà, bien joué à lui. Voilà, presque 16 000 points pour moi, 13 000 pour lui, c'était assez équilibré. Voilà, on va regarder ses ressources, voilà, il avait plus d'avantages sur moi dès le début. Et mes fusées de la garde, presque 670% quasiment. Donc voilà. Donc bien joué à lui, j'espère que ça vous a plu pour ce deuxième épisode de 1v1. Et je vous dis à bientôt.